Un homme que Barack Obama connaissait très bien vient d'être retrouvé mort sur l'île de Martha Vineyard dans le Massachusetts, États-Unis, à proximité de la demeure de l'ancien président des États-Unis. Ce lundi 24 juillet 2023, un homme de 45 ans prénommé Tafari Campbell a été repêché mort dans le lac de l'île de Martha Vineyard, Massachusetts, États-Unis, qui jouxte la demeure du couple Obama. L'ancien président des États-Unis le connaissait très bien puisque c'était le cuisinier de sa famille. Il était parti faire une sortie en paddle avant que le drame ne se produise. Il a été observé en train de se débattre dans l'eau, avant de disparaître, selon l'alerte donnée par un autre homme faisant également du paddle sur le lac. Les plongeurs de la police ont retrouvé son corps à 2,5 mètres de profondeur, quelques heures plus tard. Il a pourtant été décrit comme un excellent nageur par des experts complotistes qui réfutent l'hypothèse de l'accident, avançant l'étrange affirmation que Barack Obama lui-même serait derrière cette mort. Ces experts s'étonnent par exemple que l'appel d'urgence ait été fait depuis la maison de l'ancien couple présidentiel, la plus proche du lac. Les deux célèbres tourtereaux étaient absents de leur maison au moment de la mort du cuisinier. La police d'État et la police de la commune d'Edgartown ont toutes deux ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire qui fait grand bruit. Barack et Michelle Obama ont de leur côté fait part de leur profonde tristesse via un communiqué. Tafari était un membre bien aimé de notre famille. Dans les années qui ont suivi les mandats présidentiels, nous avons appris à le découvrir comme une personne chaleureuse, amusante et extraordinairement gentille qui a rendu nos vies un peu plus lumineuses. Il a fait partie de nos vies depuis, et notre cœur est brisé qu'il soit parti. Les parents de Malia, née en 1998, et Sacha, Natacha de son vrai nom, née en 2001. Ont également salué quelqu'un de créatif et passionné par la gastronomie, qui avait la capacité de rassembler des gens.